Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu olympique de Marseille et pour l'avant-match aussi. Reims olympique de Marseille. Ce match en retard, hein, très très important pour l'Olympique de Marseille, pour le classement, pour jouer son avenir européen cette saison, même si l'objectif c'était de se qualifier en Ligue des Champions. Là, on peut peut-être se qualifier en Europa League, donc il va falloir se battre jusqu'au bout. Donc on va parler un peu des actualités de l'OM, des compos probables, des stats, etc. Voilà, avant de commencer ce débrief, je vais faire une grosse, 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 grosse dédicace et je vais souhaiter un bon anniversaire à Matteo, voilà, qui fête ses 10 ans. C'est un jeune supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je voulais te dire, mon petit, que ton père est fier de toi, on t'aime, on te soutient et voilà, on te souhaite le meilleur et tu es un bon petit. Voilà, grosse force à toi, mon petit Matteo. Allez l'OM, comme d'habitude, grosse dédicace à toi et à ton papa. Voilà, et Francky Foot, il est avec vous. Voilà, quoi qu'il arrive. Voilà, les gars, on va enchaîner et je tiens à remercier son père aussi, qui a fait beaucoup de choses pour moi, pour les émissions, qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc, grosse force à toi aussi, mon frérot. Voilà. Les gars, on va enchaîner directement cette vidéo avec les banderoles. Hein. Malgré cette victoire contre Lorient pour la dernière au Vélodrome, l'OM s'impose 3-1. Bon, voilà, hein, on joue contre une équipe qui était quasiment condamnée à la Ligue 2. Donc, voilà, on gagne 3-1. Pour moi, on fait juste notre travail, tu vois. Donc, il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais fallait gagner ce match. Je vous mets quand même les banderoles de la part des supporters, hein, qui ont passé des messages. Donc, il y a une première banderole où on nous dit un projet fort, durable et ambitieux. Est-ce trop vous demander? Dirigeants, réagissez ou nous le ferons pour vous. Ou nous le ferons pour vous. Voilà. Donc, ce message, il est assez clair, ça m'a fait un peu bégayer quand même. Hein. Bref, on a une autre banderole aussi, celle-là, elle veut dire beaucoup quand même. Hein. Une énième désillusion pour conclure cette saison. Direction, joueur, staff, respectez ce blason ou cassez-vous. Voilà. Donc on peut voir que les supporters sont en colère. Hein. Voilà, c'est normal, on vit une saison très compliquée en Ligue 1, on fait un bon parcours en Coupe d'Europe, mais c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est compliqué. On en a marre de ne pas avoir un projet stable. Voilà, il faut prendre un coach sur la durée, que tu construis avec lui un effectif, une identité de jeu. Prendre des joueurs que je sais pas, que tu arrives à t'identifier. Tu vois, à eux, voilà, ça c'est ce qu'on aimerait. Les joueurs aujourd'hui, ils viennent, ils restent 2, 3 ans, même pas, des fois ils restent 6 mois, ils s'en vont, et ça c'est pas bon, voilà. On a envie que les joueurs restent longtemps, qu'on s'attache à eux, tu vois, qu'on se dit, tu vois, lui, nous, il nous représente, tu vois. C'est vrai que sous l'ère Pablo Longoria, les joueurs, ils restent pas longtemps, quoi. Et quand ils sont un peu forts, on les fait partir. Donc ça, j'espère que c'est terminé, voilà. Je vous mets aussi le maillot officiel de l'OM pour la saison prochaine domicile. Voilà, donc c'est le blanc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui marronnent pour ce logo. Voilà, donc celui-là, c'est le classique, hein, c'est la base. Moi, je le trouve beau. Après, il faut le voir en vrai, mais beaucoup critiquent le logo. Voilà, qui est le logo qui est changé avec ce fanion-là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets aussi le maillot extérieur. Voilà, c'est officiel, ça sera celui-là. Celui-là, franchement, je le trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le bleu, franchement, c'est une tuerie. Et là, on nous sort que le troisième maillot serait orange. Donc, l'OM a déjà eu un maillot orange. Hein. Époque Bolo-Zenden et tout, tu t'en souviens. Saison 2007-2008, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a un frérot sur Snap. Grosse dédicace à toi. Putain, j'ai oublié son nom. Dommage, je lui aurais fait une dédicace aussi. Mais là, il a trouvé ce concept pour ce troisième maillot orange. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si c'est un genre comme ça. Moi, franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà, les gars. Là, on va parler un peu de Mercato et surtout pour le nouveau coach de l'OM. Alors, ça parle de Fonseca partout. Est-ce qu'il va signer? On sait qu'il y a le Milan. Il y a un club aussi de Première Ligue. Donc, il a des offres. Du côté de Lille, on sait qu'il va partir. Voilà, ça a été confirmé par la direction lilloise, hein, il me semble.
Comme quoi, ils savent que Fonseca, il va partir. Mais il y a quelque chose, les gars, c'est que Fonseca, il a signé dans la même agence que Pablo Longoria, la CAA Base. Voilà. Donc Fonseca est dans la même agence que Pablo Longoria, comme par hasard. Et Fonseca, il vient de changer maintenant. C'est récent, ça. C'est vrai que ça fait quand même un peu beaucoup, tu vois. Donc voilà. Est-ce que ça sera Fonseca, le futur coach de l'OM? Je pense qu'on va avoir la réponse très très bientôt. Voilà, ça peut être un autre aussi. Attention, hein, rien n'est fait. Hein. Et voilà, on verra bien. On verra bien, les gars. Aubameyang, saison exceptionnelle à l'Olympique de Marseille. Donc, il est élu olympien de la saison. C'est totalement mérité, les gars. Il n'y a aucun débat possible. Vous le savez, hein, il a galéré. Il a été sifflé contre l'Ajax. Rappelez-vous, en début de saison, on le critiquait parce qu'il n'était pas bon. Il a su se remettre en question à un attaquant. On lui demande de marquer des buts et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a 29 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même incroyable, les gars. Il a 3 buts de Didier Drogba. C'est exceptionnel, voilà. Il est aussi meilleur joueur africain de Ligue 1. Donc, incroyable, ça aussi. Et j'ai vu un autre truc aussi. Ouais, il est toujours donc meilleur buteur de l'Europa League. Voilà. Donc Aubameyang, saison de masterclass. Il n'y a rien à dire, juste à faire ça. Et bravo à toi, Aubameyang. Voilà. Ensuite, ben justement, quelques petites rumeurs de mercato avant de parler de l'avant-match. On profite d'Aubameyang. Attention cet été, les gars. Voilà, vous le savez que McCourt, enfin, les gens, ils ont parlé pour McCourt. Comme quoi, ils veulent baisser les salaires à 30%, parce que c'est vrai, il y a des joueurs à l'OM qui touchent des gros salaires. Je pense à Kondogbia, à Correa, à Clauss, à Paulo Lopez. Il y en a plein. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui touchent des gros salaires, et ça, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc là, on nous dit que Aubameyang serait sur le départ. Ah ouais, les gars, Aubameyang serait sur le départ, soi-disant. Il aurait choisi sa future destination. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai. J'en ai aucune idée. On nous dit que certains cadres de l'Olympique de Marseille, on parle plus précisément de Chancel Mbemba et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui sont pistés par l'Arabie Saoudite. Voilà, par l'Arabie Saoudite. Bon, pour l'instant, l'Arabie Saoudite, ils n'achètent pas l'OM, hein? Mais ils vont nous piquer tous nos meilleurs joueurs. Tu vois, ça me contrarie l'esprit. Voilà, donc attention, on sait qu'Aubameyang, il a un gros salaire. Mbemba, il a un contrat jusqu'en 2025. Donc voilà, attention. Hein. Attention, il risque d'avoir beaucoup de départs. Je pense aussi à Correa, qui va retourner à l'Inter. Kondogbia, trop gros salaire. Je pense qu'il doit partir. Blanco, un gardien remplaçant qui touche 200 000 euros par mois. Il faut arrêter les délires, il faut qu'il parte. Paulo Lopez aussi, je pense qu'on a fait le tour. Il a 320K par mois, je crois. Donc, Paulo Lopez aussi, je pense qu'il a fait le tour. Il va falloir changer de gardien. Clauss, Unai, Sarr, on verra bien. Ndiaye, peut-être le vendre ou le prêter. Il y aura beaucoup de mouvements cet été. En tout cas, on part sur un nouveau cycle. Il va falloir changer les choses. Voilà. Et construire avec un nouveau coach et avoir de la stabilité. On repart à zéro, on refait tout et on se stabilise. Voilà, c'est l'objectif pour moi. Et on peut le faire. On peut le faire. À condition de bien travailler aussi. C'est important. Parce que oui, les joueurs, ils sont pas bons. Mais c'est les dirigeants. C'est vous que vous recrutez les joueurs. Aussi. Donc, des fois, quand on dit, ouais, les joueurs, on dirait qu'ils n'ont pas envie, qu'ils mouillent pas le maillot. Non, c'est qu'ils font avec leurs moyens. Ce sont des joueurs moyens. Tout simplement. Donc les joueurs, ils ont leur part de responsabilité, mais la première faute, elle vient aux dirigeants cette saison. Elle vient aux dirigeants. Il faut le préciser aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Hein? Voilà. Balerdi aussi qui te dit je peux partir bientôt, comme je peux rester longtemps. Donc ça veut un peu rien dire cette phrase. Hein? Je me sens très bien ici. Donc moi, mon souhait, ça serait de garder Balerdi. Après, si tu as une offre de 45... 35, 40, 45 millions, on va réfléchir quand même. Mais voilà, Balerdi, c'est vrai que j'aimerais le conserver. Voilà les gars, on va enchaîner donc OM Reims, non, Reims OM, mercredi les gars, 21h, le match de retard. Donc c'est un match bon, très important si on veut accrocher
cette sixième place et finir en Europa League, il faut gagner tes deux matchs, Reims et Le Havre. Voilà. Donc, je vous mets les historiques entre Reims et OM, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir les cinq dernières confrontations entre l'OM et Reims. C'est cinq matchs, quatre victoires, un nul, zéro défaite. Comme contre Lorient, c'était quasiment la même chose historiquement. On ne perd pas contre Reims ou on gagne quasiment. C'est bon signe. Voilà. Au match aller, on a gagné 2 buts à 1 au Vélodrome. Donc voilà, il va falloir gagner ce match-là. Voilà. De toute façon, si je te dis, si tu veux être européen, il te reste deux matchs, Reims et Le Havre, il faut prendre 6 points. Voilà, il ne faut pas gamberger. On n'a plus le temps de gamberger, les gars. On n'a pas le temps. Déjà, que ce n'est pas l'objectif du club de se qualifier en Europa League ou en Conference League, parce que la 7e place, tu peux être on en reviendra après avec le classement. Mais déjà, que ce n'est pas l'objectif du club de se qualifier pour une Europa League ou une Conference League. Là, il nous reste que ça. Ben, au moins, aller chercher ça pour être européen. C'est vital pour le club. L'OM est dans l'obligation de jouer une Coupe d'Europe. Que ce soit, bon, Ligue des Champions, c'est idéal, tu vois. Mais Europa League, même conférence, malheureusement. Ben, les gars, il faut jouer une Coupe d'Europe. C'est important. Voilà. Je vous mets la composition de Reims lors du dernier match Brest-Reims. Ils ont fait un partout. Reims à Brest. Alors, on peut voir que Reims, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1. Leur dernière compo, c'était Diouf dans les cages, Koné à droite, Agbadou Abdelhamid en défense, Hakim arrière-gauche, un milieu à deux avec Amadou Koné et Mounetzi, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Nakamura à droite, très très bon, tu vois. C'est pas Yann Nakamura, il lève pas ta blague en carton, c'est bon, ça va, on me l'a, c'est fait. Nakamura à droite, très très bon joueur, les gars. Thomas, là, ce milieu de terrain, il a une frappe. Thomas, là, il met que des buts, c'est que des bangers. Voilà, attention à lui, ne le laissez pas tirer, ne le laissez pas avancer aux abords de la surface. Il t'envoie des cachous, mon frérot, il te troue la cage. Très bon joueur, lui, à surveiller, attention. Hein. Voilà, je vous préviens. Hein. Ito, provocateur, buteur, passeur, très bon ailier aussi. Et devant, il avait Diakité. Voilà, donc voilà pour cette équipe de Reims. Là, on peut voir que Reims, au classement, ils sont, je crois qu'ils sont 11e avec 41 points. Donc bon, ils sont sauvés, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont dans le ventre mou. Mais voilà, ils vont recevoir l'OM, ça va être un match de gala chez eux, devant leurs supporters. Et ils vont pas nous dire, allez-y, hein, les gars, tapez-nous. Hein. Non, 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 c'est un dernier gros match pour eux, donc ils vont se donner à fond. Voilà. Donc toi, tu es 8e avec 47 points, avec donc ce match de retard contre Reims mercredi. Donc si tu gagnes contre Reims, tu as 50 points et tu passes 6e parce que tu as un meilleur goal average que Lens et que Lyon. Donc l'objectif, c'est de gagner à Reims parce qu'après match nul, tu as 48 points. Ça va se jouer à la dernière journée. Si Lens et Lyon y gagnent, tu te retrouves 8e donc, ou 9e, ça dépend Rennes aussi. Voilà, si on veut vraiment être sûr et certain d'être européen, il faut gagner ces deux derniers matchs, Reims et Le Havre. Voilà. Et tu es sixième et tu es en Europa League et on n'en parle plus et on sauve au moins les meubles. Voilà. Bon. Après la 7e place, tu peux être en Conference League si Paris gagne la Coupe de France contre Lyon. C'est comme ça. Donc ma composition d'équipe, les gars, pour le match, je fais une 3-5-2. Voilà, je fais une 3-5-2 pour ce match-là. Alors je mets Paulo Lopez dans les buts, Murillo à droite, une défense à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi, Luis Enrique en piston gauche, un milieu à 2 ou à 3 avec Arrigas. Je fais Veretout, Pape Gueye, Arrigas. Et les deux pointes, je mets Ismaïla Sarr, Aubameyang. Voilà. Comme ça, on joue dans une défense à 5 à la perte du ballon pour rester solide, ne pas s'encaisser de buts, comme je t'ai dit, avec les Ito, les Nakamura, les Thomas et tout ça, là. Rester costaud défensivement et jouer en contre rapide avec la vitesse d'Aubameyang et de Ismaïla Sarr. Voilà ma physionomie et ma tactique de jeu pour ce match-là. Voilà les gars, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour cette composition d'équipe, mais je trouve que ça a de la gueule et avec ça, je pense qu'on peut s'imposer là-bas. Mais tu le sais, l'OM à l'extérieur, on est je crois 17e de Ligue 1. Hein. On ne gagne jamais à l'extérieur. Par contre, à domicile,
On est deuxième de Ligue 1 cette saison. Au Vélodrome, on est incroyable. À l'extérieur, on est des. Comme il a dit Jean-Louis Gasset, à l'extérieur, on est des petits chatons, en gros. Tu vois? Il nous manque la litière, le lait, et on est des petits chatons. Voilà. Donc là, il y a deux matchs à l'extérieur. Reims, Le Havre, on s'en fout. Extérieur, pas extérieur. Portez vos coronas, tu vois? Hein? Et remportez-moi ces deux derniers matchs pour finir sixième et aller en Europa League. Voilà, les gars. Je vais vous laisser là avant d'arrêter. Bon, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On a atteint les 10 500 abonnés, un peu plus. Donc, je tiens à vous remercier, les gars, du soutien. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, c'est gratuit. À mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire entre vous, dans le respect, comme d'habitude. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, la famille, il n'y a pas de problème. Et avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite un message de pub pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des années 80, 90, des années 70, de ce que tu veux, des maillots légendaires. Vous avez aussi des survêtements. Vous avez un petit peu de tout, taille homme, taille femme, taille enfant. Voilà, il y a un petit peu de tout. Là, dans pas longtemps, ils vont commencer à sortir les nouveaux maillots pour la saison prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, Franckii, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Voilà les gars. Donc je vous mets le site dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien et comme d'habitude les gars, allez l'OM à la vie à la mort. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Et Mathéo, on t'embrasse mon petit. Et encore une fois, bon anniversaire. Et force à toi mon petit. Allez, ciao, ciao.